The glue dance. Ça fait comme jamais, Loulou et Boutin, Loulou et Boutin. Et bonjour à tous, je baisse un peu le son, tiens c'est là, ça n'a pas besoin d'aller loin. Bonjour à tous, bienvenue, je suis Guillaume, je suis venu avec mon copain, Peggy le cochon. Donc nous allons faire un petit cours enfant que bien sûr les parents ou frères, sœurs, papa, maman peuvent faire. Salut Louis, salut Soléa, Émilie, t'as reconnu ? Spéciale dédicace. Donc voilà, c'est un cours que vous pouvez faire en famille mais que les enfants peuvent aussi faire seuls s'ils veulent. Salut Nico.
Donc du coup, l'intérêt, c'est que bien sûr, les enfants bougent, que les parents bougent aussi. J'ai pas dit gym parent-enfant, mais c'est vrai que ça y ressemble quand même beaucoup. Salut Steph, salut Maëlys. Et donc l'idée aussi, c'est que les enfants aient un peu de liberté, bien sûr. Le but, c'est pas forcément de faire exactement le même mouvement, ou de la droite quand je vais à droite, de la gauche quand je vais à gauche. On n'est pas bien sûr là pour faire de la danse bien. Et oui, Milly, t'as reconnu ton costume. Bien carré, je dis danse parce qu'au début il y aura un petit peu d'échauffement sous forme musicale et un peu danser bon, rigolote, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Quelques exos ensuite, c'est pas du crossfit, hein, pour ceux qui s'attendaient peut-être à du crossfit, il y a peut-être un ou deux qui s'attendaient à du crossfit. Quel âge, Émilie? Ben, je pense qu'à partir de 5-6 ans ça passe. Hein. Et pour toi, Émilie, tu peux le faire aussi, hein. Tu as l'âge de faire un cours enfant et tu as l'âme aussi de faire un cours enfant. Salut les charriers, salut Lucie et Lucas. Donc voilà, ce que je disais, laisser de la liberté aux enfants. Si de temps en temps ils veulent faire un break ou faire une pause, j'ai la même à la maison. Là, elle devait faire le cours avec moi, finalement elle ne le fait pas. Donc il faut leur laisser de la liberté. Prenez bien de la place. Je leur donne un tapis après. Pour l'instant, il faudra juste des baskets, un peu d'eau pas loin. Oh, j'y sais, tu fais les cours enfants maintenant? Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Quand ça va pas, vous me dites. Tac, 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 vous me dites, oh non, là, mon petit, il arrive pas. Ou, voilà, vous gênez pas. Il y aura une partie à la fin où il y aura un peu de... On fait baisser la tension et on se calme un peu. Salut Cindy, je sais pas combien de temps avec toi. Au moins une. On va commencer, donc prenez un peu de place autour de vous. Salut Sandrine, oui, ben oui, des musiques d'enfants, oui, oui, il y a des musiques d'enfants, d'adultes, des musiques que les enfants aiment bien. Vous allez me dire. On y va, on commence avec un peu de place autour de nous. Oh yeah, ça commence par un bug parce qu'il s'est déconnecté, d'accord, tout simplement. Bon, ben je reviens, hein, j'arrive, et pour 10 secondes, hop. Ouais, ça, on s'en fout. J'ai pas de DJ à la maison. Ok. Allez, de la place autour de vous. Le but, c'est de s'amuser au début. Où est Lilou? Ben, dans le jardin, elle parle aux voisins. Marion. C'est nul, hein? Allez, prenez la place autour de vous. On balance un peu à droite à gauche. Allez, mon cochon qui me porte, trop fort. Pour l'instant, on fait cool, hein? On peut laisser un peu balancer les bras, tranquille. Alors, attention à pas vous éborgner les uns les autres. Ça, c'est un mouvement qui va revenir sur le refrain qu'on va faire après. Hein, tranquille. Le but, là, on s'échauffe et on se fait plaisir. Ça va chez vous? Ici, 1, 2, 3, 4, balance, balance. Hop, restez les bras là. Parfait. Encore un peu. Ici, on va monter un peu les genoux, vous soulevez les jambes, les enfants, comme si l'herbe était un peu haute. Si on arrive, venez toucher. Avec vos mains, touchez votre genou. Ok, encore un peu plus haut les mains, si vous pouvez, bien sûr. Vous avez reconnu la chanteuse? Shakira. Et 4, 3, 2, les 4 sauts, on y va. 1, 2, 3, 4, balance. Encore, allez Marion. Encore, les sauts. 1, 2, 3, 4. Je vous entends crier à la maison, hein. J'ai pas entendu. Restez là. Mouline. Ici, marche sur place. Ceux qui sont en forme, courez, courez, courez. Et relâchez. Relève les bras. Enroule en soufflant. Encore deux fois. On respire un peu avant de s'énerver. Je ne vous ai pas entendu crier tout à l'heure.
On reprend les quatre sauts avec les bras en l'air. Hop. Hey. À vous. Hey, hey. Waka waka way. Restez ici. Petit saut de côté. Hop. Hop. Est-ce que ça va ça? Ouais. Sûr. Couline en même temps. Allez Bastien. Mouline, mouline. Allez Ethan et Timéo. On calme un peu le jeu. On écarte les bras. Secoue un peu les épaules, juste pour des conades. Et on relâche, on peut boire un petit coup si vous voulez. Rapidos. $1 billion. The question is, yeah. Who let the dogs out? On va chauffer un peu les cuisses. Who let the dogs out? Lâchez les chiens, vous êtes prêts? Restez, on part à droite deux fois, à ta gauche. Un, deux, je fais des pas, juste je marche de côté comme un crabe. Ça va? Me dites si ça va pas. On reste ici. Hop. Et on se déplace à bas. Hop. Hop. À gauche, petit chassé. Restez, deux fois la grenouille et je me déplace. Reste là. Jambes de bas. Si je suis chaud, je peux sauter un peu plus haut. Ça va? On descend un peu plus bas. Comme si on regardait l'heure. On va reprendre une squat, la grenouille, deux fois. Hop. Chassez. Hop. Restez là. Vous pouvez chanter, hein? Restez. Pose les mains par terre. Oh là 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 là. Avance les mains. On est à quatre pattes. Tournez les pattes comme ça. On pousse en côté. Je lève une jambe de côté. Oh, Amandine. Restez là. Squat, grenouille. Reste en bas. Avance. Recule. Encore? Ah non! On recule une dernière fois. On va reprendre la grenouille deux fois. Go! Chassez. Encore. Attends, les idiots, tu ne les attends pas. Ils ne voient pas, les idiots. Dernier. Restez. Hop. Redescendez. Hop. Rebouille. Et je vous montre très serré. Écarte. Resserre. Dernière. Reste en bas. Ça a dû chauffer un petit peu plus. Je mets un peu le pause peut-être. Le temps qu'on boive un coup. Tata Véro. Oh. Salut Marjo. Marjo a dû remplir son salon d'enfant tellement nana. On vient de s'échauffer. Tranquillou. Ceux qui aimaient peut-être pas danser, je sais qu'il y a des garçons. Là on va faire des trucs un peu plus de mecs. Ou les filles, ça peut être des trucs aussi bien sûr. Deux filles, on peut se tenir à une chaise pour le prochain exercice, s'il y a un peu d'équilibre.
C'est une vieille musique. Peut-être que vous la connaissez, les enfants. Bien. Là, il faut un peu de place derrière nous. Et autour, au cas où on tombe. On va lever la jambe droite. Je vous laisse choisir. Vous n'êtes pas trop bien les dents, les enfants. On lève la jambe droite et on la tend derrière. C'est pas ma vraie jambe, ça. J'ai la jambe derrière. Suivez la jambe rose, celle qui est le cochon. Et je vais ici me pencher. Me redresser comme une grue qui se penche. Et qui revient. Si c'est trop dur, je peux poser mon pied derrière. Franchement, on fait ce qu'on peut, mais on le fait bien et avec le plaisir. On a fait encore 4. Donne-moi mon chance. Jackson 5. Allez, comme ça. Encore 2. C'est comme une grue qui se penche et qui remonte. Une dernière fois. Oh voilà, on a dû chauffer, non? On a changé de jambe, donc c'est l'autre jambe, la gauche, qu'on tend et qu'on lève derrière. N'hésitez pas à vous équilibrer avec les bras pour pencher et remonter. Soufflez, penchez, redressez, prenez d'air. Allez, on continue. On peut se tenir, n'oubliez pas, on peut se tenir à papa ou maman s'ils ne sont pas loin. Hein. On continue, accouchez-vous. Il en reste 2, allez l'équipe, on finit. Francky, je te vois envoyer des messages, hein. Encore une. Ok, on relâche, on se coupe les jambes. On a fait une jambe, on a fait l'autre. Maintenant, on va essayer ça. Je lève une jambe, je lève l'autre, comme un patineur. Ça va? Les enfants qui veulent un peu sautiller et frétiller, hop, laissez parler un peu l'énergie. Hop, hop. Parfait, encore. Hey! On finit encore pour une dizaine de secondes comme ça. Ici, marche sur place. Et on descend comme si on était sous un tunnel. Un peu façon grenouille. Je descends. Je descends. Je descends. Et je reste en bas, accroupi. Ouh. Ça allait l'équilibre? Oh, on peut remonter et relâcher. Parfait. Prochaine chanson, c'est quoi? Oh! Petite chanson un peu plus énergique. Faudra bien suivre mes jambes. J'envoie une jambe devant, puis l'autre. Tac. Hop. Et vous entendez bien la musique, c'est bon? Un peu plus de son. Facile! On en fait deux pour Adil. Un, deux. Pour ceux qui peuvent, on en fait deux. Pour le cochon, c'est énervé. Si on peut pas, on en fait qu'une. Hop, comme si on avait un coup de pied devant, mais gentiment. Encore. Les bras. C'est ce qu'on veut. Encore, un peu plus croisé. Hop. Attention, regarde, glisse à droite. Hop. Kick. Hop. À moins que le pied de. Facile. Hop. Encore une fois. Reste par là. On marche. Ça va ça? Vous savez faire le garde-terre? Prenez la place devant vous. On est ici. On pose les mains devant. On avance avec les mains. On reste un petit temps et on recule avec les mains. Pour remonter. On redescend. On pose les mains. On avance avec les mains. Le plus loin possible. Et on recule. Allez, Aurélie, il faut le faire avec vous. Descends. Avance. Repousse. Il faut marcher avec les mains juste. Je vous montre de ce côté si vous préférez. Avance, je vais loin, hein. Recule.
revient, on glisse. Hop. Hop, quand je dis hop, c'est un coup de pied devant. La jambe que tu veux. Hop. On peut sauter aussi. Hop. Encore. Hop. Si vous avez la place, lâchez-vous. Alors pour les connaisseurs, Aurélie et d'autres, c'est le remix de Vivre dans la jungle, la chanson des singes. Dernière. Reste. Oui. Vous devez aimer. Vous êtes prêts pour le verre de terre. On avance. Et on recule. On remonte. Descends. On peut avancer encore plus loin. Loin. Recule. Encore, regardez, je vais essayer d'aller loin. Oh, loin. C'était longtemps, hein. Trop dur. Dernière fois. Descends. Avance. Et reste là, quatre pattes. Hop, 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 attends, je fais une pause. Vous pouvez rester à quatre pattes si bien sûr vous voulez un tapis. Vous pouvez le garder. On va faire quelques petits gainages, quelques petits exos au sol. Si vous avez besoin de boire, vous buvez quand vous voulez. Petite tartine de et chocolat dessus, vous pouvez aussi. Hein. Bon ça. Allez-y. Donc ici, chanson à base de gainage. Peut-être que les grands connaissent. Peut-être que les petits connaissent pas. Je pense qu'il y en a qui connaissent. On peut les faire à deux. Salut Sandrine. Donc on peut les faire à deux, si vous les faites à deux, moi je suis seul, enfin pas dans ma tête, mais je suis seul, vous pouvez vous mettre face à face, c'est-à-dire qu'il faut que vos deux tapis soient l'un face à l'autre. Donc si je suis là, l'autre personne est devant moi, presque tête contre tête. Pas collé, ça suffira, la distance d'un bras, et vous pouvez vous organiser comme ça. C'est pour faire les exos à deux, si vous voulez, sinon chacun fait de son côté. Il y a des enfants qui sont restés, il y en a qui sont partis. Eugénie, oula, elle aussi en a beaucoup. Elle en a beaucoup, hein. Je ne sais pas s'ils vont tous rentrer dans le salon. Donc on est parti pour quelques petits gainages. Je regarde un peu, voilà, ça devrait aller. Ça devrait aller. On y va? Allez, on a quatre pattes sur le tapis. Allez, c'est parti. Ici, on se met sur les mains. Et on fait comme un pont avec son corps. Là, vous pouvez presque passer dessous, marcher par en face, c'est ce qu'on fait. Si vous êtes à l'aise à genoux, vous pouvez le faire sur les pieds. Ça passe aussi. Hein. Ça ne soit pas avoir les pieds qui glissent. Au pire, vous mettez à pieds nus un peu. Hein. On essaie que le pont ne tombe pas, que le bassin ne tombe pas. Et on va essayer de faire ça. De ramener un genou, puis l'autre, et de faire ce qu'on appelle un climber. Oh yeah, je parle anglais. Je ramène une jambe, puis l'autre. Hop! Je lève la jambe et je la mène vers la main. Si ça va et si le pont ne bouge pas, on peut essayer de le faire un peu plus vite. Oh, 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 oh. Si c'est trop dur, faites-le tranquille. Ou faites-le même à genoux. C'est possible, hein? Encore 4 fois. 3, 2. Attention, on va apprendre à nager. Relâchez. On a un plat ventre, tant pis pour le cochon. On relève un peu le buste et on nage la brasse. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais chercher un peu devant et après sur les côtés. Comme si je poussais, je nage dans une piscine à balles. Si j'ai mal au dos, eh bien je me mets à quatre pattes et juste je lève le bras plus haut. C'est possible aussi. Si vous nagez face à face, vous devez presque vous toucher. Hein. Ah, c'est la dernière brasse. Poussez. Hop. On est soit à genoux. Soit sur les pieds et on ramène un genou puis l'autre pour faire ce qu'on a dit tout à l'heure, le climber. Je vous parle anglais comme moi. Ceux qui peuvent, on accélère, allez les enfants, on s'énerve. Hop, hop, hop. On essaie de pas trop secouer. Si on avait une assiette remplie d'eau sur le dos, on ne sait pas la remercier. 4, 3, 2, hop, stop, on relâche. On récupère un peu, tirez les bras en haut. Dur ça, hein? Si vous êtes à deux, ça sera parfait. Si vous êtes seul, c'est pas grave. On se met sur les coudes et sur les pieds. Et là, je viens taper la main de celui ou celle qui est devant moi. Si vous êtes à trois, pour les faire en triangle. Si j'ai personne devant moi, je tends le bras, je le lève.
Mais j'ai ça encore de pas m'écrouler. Sinon je reprends mes genoux. Allez, tenez bon les enfants. Paf, je check dans la main de maman ou de papa et je reviens. Ou mon frère ou ma soeur, hein, ça marche aussi. Pop, encore 5. Pop, comptez avec moi. 4, 3, 2. Oh, c'est cool comme une loque. Oh, oh la chie. Oh la chie. Pas facile là, ça. Exo d'abdo, on va se mettre toujours face à face, mais dans l'autre sens. Ça ne t'énerve pas, Sam Smith. Vous allez commencer toujours, et je vous le redis, un tapis face à l'autre si vous êtes plusieurs. Si vous êtes deux, si vous êtes trois, vous pouvez même faire une sorte de Y. Et vous allez essayer de faire en sorte que quand vous êtes assis les mains posées derrière, vous devrez pouvoir vous toucher les pieds avec les jambes pas tendues, mais presque. Presque. Ok, ça c'est l'organisation. Si on est deux, si on n'est pas deux, eh ben, il n'y a pas à se calculer, on sera juste couché. Si vous avez fait le calcul de la longueur de vos jambes et de vos pieds par rapport aux voisins, hop, vous couchez sans avancer, sans reculer. Je ne sais pas si vous me voyez toujours, ah, c'est bon. Ok, allez, on y va, c'est parti. Non, c'est pas là. Sam Smith. Alors si on est plusieurs, on a les jambes en l'air et on colle les pieds l'un contre l'autre. Mes pieds sont contre les pieds de papa ou maman, ou de mon frère ou ma soeur. On peut poser la tête ou l'avoir levée. Et je vais un coup pousser la jambe de mon voisin devant, puis l'autre, puis une, puis l'autre. On fait du pédalage presque, hein. Par les mains en rond, mais on pousse une jambe puis l'autre. Les enfants, imaginez vous faites du vélo mais sans vélo et au sol, couché, bizarre, hein. Comme, ok, encore 4, 3, 2, ici j'ai les jambes qui se touchent, j'ai ma tête posée et j'écarte les bras, en même temps que mon voisin, si j'ai un voisin bien sûr, je roule les jambes d'un côté puis de l'autre, je fais comme un essuie-glace. Les essuie-glaces des voitures, vous l'avez, il faut. Ben là, on fait pareil, mais on tourne en même temps. On est synchro, coordonné avec papa, maman, frérot, mamie, je sais pas qui vient avec vous. On tourne, on a les bras qui restent au sol, on a les bras de chaque côté, hein. Là j'en ai un. Hein. Et on va essayer de souffler quand on descend, encore deux fois, pas sûr. Et là, rappelez-vous. On refait le pédalage d'avant, on peut le faire la tête levée et les mains derrière la tête. Nanana. Ça va ça? Il y en a. Oh mélange! Oh, même Tourette est là! Alors là, il y a toute la famille. Allez, on continue encore 8, 7, 6. Ceux qui sont à l'envers, allez-y. Hein. Il en reste 5, 4, 3. C'est dur ça, hein. On fait une petite pause. Ça a dû chauffer dans le bidou, hein. Bon, on va faire un peu la roulade. Ici, j'attrape mes cuisses avec mes mains, je lève ma tête et je fais une boule comme un hérisson. Tendez pas les pieds en haut, hein. Gardez les jambes pliées. Je roule pas trop vite et pas trop loin, sinon je vais en peigner si elle était devant moi, si vous êtes plusieurs. Et je roule, quand je descends, je prends de l'air. Donc je souffle quand je vais vers l'avant. Attention, encore deux. On va essayer de garder les fesses en l'air. Hop, on pose les mains par terre. C'est dur ça. On compte jusqu'à 10, et 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reprend les roulades. S'il faut faire une pause, on l'a fait. Allez, faites-le les sons, rentrez la tête. Tonight. Encore 4. 3. On va retenter le blocage avec les fesses en l'air pour ceux qui ne peuvent pas arriver. On y va? C'est parti, bloqué. Sautez les mains par terre. Mettez pas trop les jambes vers la tête. Essayez de les avoir vers le plafond. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Adieu Berthe, relâchez.
vous l'avez fait, bravo, hein. C'est très très bien. Alors là, écoutez, c'est assez simple. Ah, on va faire quelques exercices. Calmez un peu les esprits. Ah, c'est bon, c'est l'heure. Donc vous allez vous rasseoir. En général, je me rasseoir en roulant sur le côté en mettant les mains. Là, vous n'avez pas besoin de faire juste un peu de place autour de vous. Ah. Et on va écarter nos jambes. Nos vraies jambes. Vous arrivez à attraper vos pieds ou pas? Je ne peux pas vous voir, les enfants. Et j'espère que vous y arrivez. Si vous y arrivez, essayez de vous aider de vous. La respiration, et quand vous soufflez, c'est d'aller peut-être un peu plus loin. Et si vous attrapez les pieds, c'est qu'il faut un peu plier les jambes. Ça fait un peu mal à l'intérieur des genoux. Des jambes, c'est normal. Faut pas que ça tire trop fort, mais ce sont des douleurs normales. On va faire le papillon. Pratique, Émilie, je sais pas comment t'as fait le cours avec. On a les pieds qui se touchent. On a les mains sur les chevilles. Vous voyez les ailes du papillon, elles sont là. On va essayer de les garder ouvertes. Pas les secouer forcément, mais on se tient bien droit et on ouvre les jambes. Là, vous tenez bien droit les enfants comme quand vous êtes à table. Vous faites attention à votre dos. On garde les ailes ouvertes, on tient les bras en haut. C'est dur pour le dos. Hein. Si on a beaucoup ramené les pieds, c'est dur. Hein. Si c'est trop dur, on les fait les pieds. Relâchez les bras. Et on va passer à genoux. Ah non, plus faire la sirène. Okay. On est à genoux. À genoux debout, c'est-à-dire que je ne suis pas assis sur mes pieds. Je remonte. Gardez mes bras, je ne vous tourne pas. Je mets mes bras en bas, comme si je voulais me gratter le dos. Et l'autre bras, je passe en haut, j'essaie si je peux de m'attraper les mains. C'est de m'attraper les mains. Si j'y arrive pas, je force pas. J'essaye et j'essaie de marcher avec les doigts. On y arrivera un jour. Hein. Est-ce qu'il y arrive, Tourette? Perret. Lio. Ember. Changez de bras, alors attention, peut-être que ce bras est plus dur. C'est important, les enfants, d'arriver à se faire ce mouvement pour pouvoir se mettre la bronzée de partout. Sinon, après, il y a un espace, il y a un coup de soleil. Ça. Ok, relâchez. On a quatre pattes sur son tapis. On va faire le chat, on ne mettait pas les mains trop près des genoux. On va faire le chat, pas obligé de violer. Et on arrondit le dos, chat pas tout le temps. Et on revient ici, on sort les fesses comme si on rembrunit. Et on le fait plusieurs fois, le dos rond et le dos creux, le chat tout le temps. Hein? Ah, je ne sais pas si je suis projet, je crois pas. Encore une. Et vous resterez ici, regardez. On va pousser avec les mains pour essayer d'envoyer les fesses en arrière et faire, peut-être que certains connaissent, on appelle ça le chien tête en bas. C'est le chien quand il est content, juste avant qu'il saute, il pousse avec ses mains, il recule loin, il voit loin les fesses en arrière. J'y suis un peu, on me dit que c'est flou, personne ne me l'a écrit, j'aurais dû me dire si c'est vrai. On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Hop. Je vais essayer d'enlever. Ben, je suis là, vous inquiétez pas. Et vous pouvez revenir du chien tête en bas, sinon je pense que vous allez pas être bien. Ok, ici je me repose sur mes coudes. Je pose mon bassin et je relève le haut du corps. Je relève le buste, le ventre et la poitrine. Je lève pas le bassin, c'est pas un gainage. Ça, c'est le sphinx. Si ça va, vous poussez sur vos mains et vous faites le cobra, il ne faut pas avoir mal au dos. Hein. Je parle peut-être pour les grands, des fois ça fait mal, faites attention. Et... on repose. Ceux qui peuvent, on essaie de plier les jambes et venir attraper ses pieds. J'imagine certains déjà le faire chez eux. Si
Si vous n'y arrivez pas, vous restez là. Hein. Sinon, vous attrapez les pieds et vous relevez encore une fois la poitrine. Et on fait ce qu'on appelle l'arc. Pas facile celui-là. Hein. Si vous n'y arrivez pas, le faites pas. On ne se connaît pas, mais vous m'avez tellement appris. Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie. On relâche. On va repousser nos mains. Et ici, on va envoyer les fesses en arrière. Est-ce que vous arrivez dans cette position qui ressemble au chien de tanda à faire l'éléphant, c'est-à-dire à marcher un pied puis l'autre sur place? Je soulève un pied et un bras, un pied, un bras. Je pourrais marcher hein, comme ça. Les enfants, si vous voulez marcher, faites-vous plaisir. Dur ça. À la corde de trois pas, vous bloquerez vos mains, vos pieds au sol. Et vous repoussez les fesses en arrière. C'est encore le chien tête en bas qui fait un peu mal derrière les cuisses. Et on va ramener les mains complètement derrière les pieds. Et on va dérouler le dos comme si on était un rouleau de papier cadeau. On déroule doucement pour se redresser. Ouh, on tient les bras en haut. On va faire le flamant rose, ça c'est sur l'air qui appelle comme ça. On va essayer d'attraper son pied, un pied, et de mettre le bras en haut, ou alors on se tient. Vous tenez en papa, maman s'il faut. Je regarde les messages pour voir s'il y a des soucis, mais ça a l'air d'aller, j'espère. On change de jambe. Tenez-vous, ou tirez le bras en haut si vous voulez. Et serrez bien vos deux jambes. Alors les enfants, des fois ça sautille. Restez concentrés, regardez devant vous, fixez un point, vous le regardez pendant 5-10 secondes, et après vous relâchez. On relâche. On fait la pendule, vous écartez un peu les jambes. Vous lâchez, vous faites un dos rond et vous croisez vos bras comme ça. Comme le haka des Olacs au rugby. Lâchez, vous avez la tête qui pend un peu. Vous balancez à droite à gauche, ça berce un peu le dos. N'allez pas trop bas les grands hein, si vous avez des problèmes de dos. Quand je dis les grands, c'est les plus de 18 ans. 16 ans. 14 ans. 12 ans. Et vous pourrez reposer vos mains au sol. Ah, on avance. On pose nos genoux. On est à genoux, cette fois assis sur nos fessiers. On fait la pose de l'enfant avec les mains loin devant. Ça, ça détend le dos et ça va peut-être un peu nous calmer. On va essayer de faire le lapin. Oula, pas celui qui saute, restez calme les enfants. On peut poser la tête, on peut la garder qui effleure le sol. Je vais joindre mes mains, attraper mes mains dans mon dos. Je fais un peu le dos rond, hein, j'ai le droit. Et je vais essayer de lever les bras, pas le plus haut possible, pas en dos rond, c'est pas très bon pour les épaules. Mais j'essaie de lever pour sentir que oui, j'arrive à le faire. Je montre à papa, maman ou je sais pas qui que j'arrive à le faire, c'est trop fort. Ok, on relâche, très bien, j'espère que vous y êtes arrivé. On fait un grand pas devant, je ne sais pas si je vais y arriver avec cette affaire. On fait un grand pas devant, avec ma jambe droite que j'ai mis loin devant, je fais un pas énorme. Je pose mes deux mains par terre. Pas forcément autour de mon pied, je les mets toutes les deux à l'intérieur de ma jambe, au chaud. Et si je peux, c'est galère avec ce truc, j'essaie de tendre la jambe de derrière. J'ai soulevé mon genou derrière. Est-ce que vous arrivez à redresser un peu et à lever les bras? Ça c'est si vous êtes très à l'aise. Sinon vous posez le genou de derrière et vous faites comme si le bassin était très très haut. Il avance et il s'abaisse. Dur celui-là, hein. Ça s'appelle le cavalier. C'est une variante du cavalier. On relâche. Et on va changer de côté. On fait un grand pas devant. Et n'oubliez pas, le bassin est très lourd et il avance.
Émilie, je sais vraiment pas comment t'as fait le cours la dernière fois avec ce truc. Vous posez vos mains par terre. Ça tire un peu, ça fait un peu mal entre les jambes, entre les cuisses, mais c'est pas une grosse douleur, hein, on est d'accord. On essaie de tendre la jambe de derrière, si on y arrive. Oh, bonjour Edith. Si on y arrive, les enfants et les grands aussi, on redresse, on lève les bras au plafond. Si on peut, on a le genou arrière décollé, on a tendu la jambe derrière. Si on peut pas, on pose, ne s'embête pas. Inspirez toujours calmement. Relâchez, parfait. On refait un petit tour, je pose de l'enfant. Mes mains loin devant, j'ai posé mes fesses sur mes pieds. Loin de papa maman, on est couché, on est tranquille. On est sur le dos et on va essayer de prendre ses pieds. Regardez, on lève les pieds, on attrape ses pieds avec ses mains. On peut lever la tête, hein. Et on essaie de tendre les deux jambes, les avoir bien droites. Oh, ça fait un peu mal derrière. Alors on n'est pas en train de rouler. Vous pourrez remarquer. Vous pourrez. Restez comme ça, juste je vous change la musique. Et vous pouvez relâcher vos pieds. Et on va faire le poisson. Et oui, on va tendre nos jambes au sol et on va mettre nos mains, hop, sous les fesses, en haut des fessiers. Mettez les mains à plat, vous les glissez sous vos fesses. Ceux qui arrivent, soit vous restez comme ça, c'est très facile, soit vous soulevez un petit peu le buste et vous essayez, hop, de poser la tête. Et regardez, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, là j'ai fait un pont sous mon dos, mais c'est un pont qui n'est pas désagréable. J'y arrive. Je ne force pas trop sur mon cou. Si j'ai vraiment, c'est trop compliqué, je peux et vaut mieux même poser mes épaules. Et j'essaie de faire le pont maintenant que sous le bas du dos, juste au-dessus des fesses. Je respire calmement. Un poisson, ça respire calmement. Et sur un souffle, quand je souffle la prochaine fois, je relâche. Alors je me mets comme ça, peut-être que vous verrez mieux. On va mettre les mains sur le ventre, mais pas en haut du ventre, pas au sommet de la colline, juste sur le côté. Et on va faire la respiration du ballon. Le ballon, c'est votre ventre. Vous allez essayer, chaque fois que vous prenez de l'air, de gonfler votre ventre, gonfler donc le ballon. Pas trop fort, pas qu'il explose quand même. Et on souffle, on relâche, on laisse le ballon se dégonfler tout seul, en soufflant. Faut pas respirer vite. C'est un ballon qui a besoin de temps pour se dégonfler. Les enfants, si ça peut vous amuser, avec vos doigts, mettez le bout de vos doigts sur votre ventre. Et quand vous prenez de l'air, donc on est d'accord que le ballon se gonfle, et bien vous allez faire marcher vos doigts comme si c'était des personnages qui montaient jusqu'au nombril, jusqu'au sommet de la colline. Et en soufflant, vous les faites redescendre, vous les faites marcher sur le côté du ventre. Je m'en approche. Donc votre ventre, on est d'accord, il monte, il descend. Et vous, avec vos doigts, vous marchez jusqu'au sommet. Et vous redescendez tranquillou, tranquillou. Il n'y a pas besoin de marcher vite avec les doigts. Mais juste, voilà, besoin de sentir que ça nous fait du bien, ça nous détend. On le fait encore deux fois. Dégonfle le ballon lentement, n'oubliez pas, c'est un ballon qui a besoin de temps pour se dégonfler. Et une dernière fois. On va s'étirer les deux bras derrière, loin derrière, je m'étire les jambes et les bras, je suis très 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 long
très étiré. J'essaie de dépasser papa ou maman. On respire encore un petit peu calmement, profondément. Une dernière fois, on respire. Aidez-vous bien, 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 bien du souffle pour vous sentir tout détendu, tout relâché. Puis vous pourrez lâcher les bras. Ramenez les jambes. Et là, on est calme, on ne va pas remonter comme une brusque. On roule sur le côté, on s'aide les bras et on va venir s'asseoir. Ah, on se met comme on veut. En tailleur ou en papillon, comme on veut. On tourne la tête. Doucement, on tourne la tête dans un sens. Il n'y a pas besoin d'aller vite. On tourne dans l'autre sens. Attention à ne pas vous faire mal entre voisins. On prend de l'air, on ouvre grand les bras et on referme comme si on faisait un gros câlin. Hop, on revient. On ouvre et on referme, on fait un gros câlin. Une dernière fois. Tu veux me faire un câlin, Lilou? Allez. Regardez le gros câlin. Oh. Et vous pouvez relâcher. Oh bah c'était un câlin express. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes vidés, relâchés, et bien que les enfants se sont lâchés tout court et qu'à la fin ils se sont détendus. C'est pas toujours que les enfants finissent ce cours. Et je vous remercie beaucoup. Hein. Vous me direz, n'hésitez pas. Salut, salut. N'hésitez pas à me renvoyer sur ce lien là, un message pour me dire ce qu'ont ressenti les enfants, une tulipe, ce qu'ont ressenti les enfants, si vous l'avez fait entre parents et enfants, on peut faire aussi un cours exprès gym parents-enfants comme on fait le mardi soir à la salle. Hein, hein. Ça perturbe avec mon déguisement, ben, je crois que j'ai pas fait un cours pas déguisé. Donc merci encore, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer des retours, hein, on le refera je pense de temps en temps, ces cours de gym enfant. La page, enfin, le cours reste sur la page. Merci Bétain, merci à toi Lucie, merci Laetitia. Et je vous dis à bientôt. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des idées tac tac de cours ou d'autres exercices pour les enfants, plus de crossfit ou quoi, n'hésitez pas. Oh Clémentine, ça fait plaisir. Voilà, merci Stéphane. Désolé si Mali s'était perturbée. Merci Soléa et Louis, j'espère qu'il a fait aussi. Bon, Ethan, parfait, bravo. Ça, c'est un cours pour handballeur, mon grand. Bravo Magali, il y en a peut-être que j'ai pas vu, que j'ai raté. Christina, Caroline, tu me manques, Caroline. Je vous dis à bientôt et écoutez, n'hésitez pas, hein, faites des retours s'il faut. Timo est fan du cochon, je te le prêterai si tu veux. Merci encore, à bientôt et... Portez-vous bien, soyez, faites vos devoirs les enfants. On fait ses devoirs, on écrit la date tous les jours et non, je prête pas. Bon, mais elle est pas prêteuse. À bientôt, bonne journée, bonne fin de soirée.